Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je veux te proposer juste après le replay d'une méditation que j'ai proposée au début du deuxième confinement ici en France. C'est une méditation qui permet de se sentir plus apaisé, de retrouver sa sécurité, de se sentir plus fort, d'avoir une sensation d'être plus au calme. C'est une méditation protectrice, c'est une méditation ressource. Que je veux te dire avant de te mettre le replay, c'est que avant de faire cette méditation qu'on a fait en live, j'ai proposé un enracinement et un ancrage. Ce sont des connexions énergétiques extrêmement importantes dont il faut prendre soin encore plus que d'habitude quand on traverse des moments, pardon, agités, et c'est notre cas en ce moment, à tous, quoi qu'il arrive autour de soi. Prendre soin de son enracinement, notre connexion verticale et de sa force intérieure, son ancrage, c'est vraiment fondamental, peut-être même plus que de méditer. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo, tu trouveras ça facilement sur le site web de Plume de Forêt. Voilà, donc place au replay, c'est parti pour la méditation. Donc je vous invite à retrouver votre verticalité. Posez vos pieds au sol, ne croisez pas vos pieds, ne croisez pas vos mains, s'il vous plaît. Et on va partir pour 10 grandes respirations. Donc 10 inspires par le nez, 10 expires par la bouche. Et je rappelle pour les personnes qui savent, ce sont des grandes respirations. Ok. Inspire. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Et vous laissez votre respiration se poser naturellement, sans rien forcer. Vous observez simplement comment vous respirez au centre de votre être, au centre de votre poitrine. Juste observez. Comment vos côtes se soulèvent et s'abaissent naturellement, sans rien forcer, tranquillement. Et vous allez maintenant imaginer que vous êtes dans un lieu magnifique. Le lieu que vous préférez, un lieu exceptionnel. Ça peut être un lieu à la montagne, ça peut être un lieu dans la forêt, ça peut être un lieu à la mer, ça peut être un lieu à la campagne, ça peut être une église ou un lieu de culte où vous vous sentez particulièrement bien, ou tout autre lieu qui vous plaît. Dans lequel vous vous sentez en totale sécurité. Vous imaginez que vous allez dans ce lieu
avec beaucoup de respect, de délicatesse, de subtilité pour rentrer dans ce lieu, car que vous avez la conscience que ce lieu et vous êtes de la même énergie, que vous et ce lieu résonnez harmonieusement. Vous prenez conscience de vos pas pour aller vers ce lieu. Qu'est-ce qu'il y a sous vos pieds? Est-ce que c'est de l'herbe? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est de la boue? Est-ce que c'est des feuilles? Est-ce que c'est de la roche? Quel est le sol sur lequel vous marchez vers ce lieu? Est-ce que ce sont des cailloux ronds, pointus? Est-ce que c'est quelque chose de doux comme de la mousse? Ne jugez pas. Prenez juste conscience du sol sur lequel vous marchez. Et prenez conscience qu'à chaque pas, vous rentrez en connexion avec la plante de vos pieds et ce sol. Qu'à chaque pas, vos chakras des pieds se connectent avec ce sol. Et vous avancez tranquillement vers ce lieu magnifique, sereinement, tranquille, calme. Le lieu est là, immuable. Il vous appartient. Il est à vous. Vous êtes ce lieu. Prenez conscience du temps qu'il y fait. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce que le soleil brille et vous chauffe le dos? Quelle est la température de ce lieu? Est-ce qu'il est frais? Est-ce qu'il y a une petite brise fraîche? Ou au contraire, est-ce que le vent est chaud? Prenez conscience de l'air qui passe sur la peau de votre visage, de l'air qui passe sur vos mains. Prenez conscience de ça, sans rien juger, juste observez la sensation en vous. Est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait beau ou est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est un paysage d'été ou un paysage de neige? Observez tout ce qui est autour de vous et vous pouvez vous asseoir dans ce lieu, là où vous voulez. Choisissez l'endroit qui vous attire, l'endroit que vous ressentez plein d'énergie. Posez-vous. Sentez vos fesses posées. Sentez le contact de l'endroit où vous êtes posé avec vos fesses. Et sentez comment ça résonne en vous. Vous êtes posé là, dans cet endroit magnifique. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Est-ce que vous voyez loin, comme en haut d'une montagne, quand on voit loin, loin, loin des vallées? Est-ce que vous êtes dans une forêt et vous pouvez pas voir très loin? Est-ce qu'il fait très beau et vous voyez loin, ou est-ce qu'il y a du brouillard et votre vue est raccourcie? Encore une fois, observez sans rien juger. Tout est juste. Rien n'est faux. Vous êtes en sécurité
Et vous êtes extrêmement bien dans cet endroit. C'est le vôtre. Vous savez qu'il ne peut rien vous y arriver que du bien. Vous savez que vous pouvez vous ressourcer là. Prenez conscience maintenant des bruits qui vous entourent. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui chantent? Est-ce que vous entendez l'eau d'un ruisseau qui court devant vous? Est-ce que vous entendez le bruit de la mer? Qu'est-ce que vous entendez comme bruit dans cet endroit? Comment ça vous parle à l'oreille? Comment est cette harmonie sonore? Prenez conscience de tous les bruits, les petits comme les plus grands. Prenez le temps d'écouter, d'aller derrière les bruits, derrière les gazouillis d'oiseaux, derrière le vent qui passe peut-être dans les branches, ou la pluie qui tombe sur les feuilles. Prenez le temps de prendre conscience de tous ces bruits. Et vous pouvez maintenant faire comme si vous posiez vos mains sur le sol à côté de vous, les paumes sur le sol, et écoutez ce que vous ressentez dans vos mains. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est doux? Est-ce que ça pique un peu? Est-ce que c'est rugueux? Comment c'est dans vos mains? Encore une fois, juste observer, sans rien juger. Et observez combien vous êtes particulièrement bien là, maintenant, dans cet endroit-là. Combien vous vous sentez protégé. Observez combien vous sentez que là, rien ne peut vous atteindre. Absolument rien d'autre que du bon, du positif ne peut vous arriver là. Observez comment ça fait à l'intérieur de vous. Observez comment vous êtes vous là. Observez combien vous êtes accordé avec cet endroit, combien vous êtes en harmonie avec cet endroit. Et prenez conscience que cet endroit magnifique est le meilleur endroit où vous puissiez vous trouver maintenant. Prenez conscience combien cet endroit est l'endroit idéal pour vous maintenant. Prenez conscience que vous y êtes totalement libre et que vous pouvez y faire exactement ce que vous voulez, que vous y êtes toujours extrêmement bien. C'est le meilleur endroit possible pour vous maintenant. Observez. Observez comment c'est pour vous. Observez comment vous êtes accordé avec cet endroit. Et vous pouvez maintenant imaginer que vous pouvez mettre cet endroit avec vous,
à l'intérieur d'une grande bulle de verre transparent. Vous pouvez construire autour de vous et de cet endroit une grande, grande sphère de verre transparent. Entourez tout cet endroit de cette bulle, de cette sphère protectrice de verre indestructible et transparent. Prenez soin de construire cette sphère. Vous y êtes bien, vous pouvez y respirer. C'est une sphère de protection. C'est une sphère qui va rendre le bien-être que vous éprouvez là et cet endroit indestructible. Elle est transparente. Elle protège et cet endroit et vous et le bien-être que vous y éprouvez. Prenez soin d'en prendre tous les détails en compte. Faites-en le tour. Observez. Observez combien elle est douce, cette sphère. Combien elle vous sied parfaitement. Elle est juste transparente. Et vous allez maintenant imaginer que cette sphère, toujours avec vous à l'intérieur, commence à rétrécir. Et qu'à chaque fois qu'elle rétrécit, tout doucement, elle prend un peu plus de force et de puissance. Et vous pouvez la ramener à une sphère qui fait à peu près 2 mètres de diamètre. Vous êtes assis à l'intérieur de cette sphère et protégé par cette sphère. Et vous pouvez tranquillement ramener cette sphère à 1 mètre de diamètre. Vous y êtes toujours à l'aise puisque vous rétrécissez avec, toujours en prenant plus de force et de puissance. Et vous pouvez encore rétrécir cette sphère avec vous à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle fasse à peu près 50 cm de diamètre. Et encore une fois, quand elle rétrécit, vous et la sphère prenez de plus en plus de force et de puissance. Vous devenez de plus en plus à l'abri dans cette sphère, de plus en plus fort, de plus en plus indestructible, de plus en plus inébranlable. Et vous pouvez encore réduire cette sphère à la taille d'un ballon de basket. Elle reste transparente. Elle prend de plus en plus de force. Et vous aussi. Et vous pouvez encore la réduire avec vous à l'intérieur, à la taille d'un ballon de handball, toujours en lui donnant plus de force et de puissance. Prenez conscience de la puissance de ce que vous êtes en train de faire, de l'aspect protecteur de ce que vous êtes en train de faire, et du bien-être que vous éprouvez en même temps, qui est de plus en plus important lui aussi. Et vous pouvez encore réduire cette sphère à la taille d'une balle de tennis. Elle reste transparente, de plus en plus puissante, de plus en plus inébranlable. Et vous prenez conscience qu'autour de cette sphère, les éléments peuvent se déchaîner. Il peut y avoir une tempête force 42, des cyclones pas possibles. Rien ne peut passer au travers de cette sphère à l'intérieur de laquelle vous êtes. Vous êtes dans une protection en verre trempé qui résiste à tout, de par sa force et de par sa forme.
Et vous pouvez encore réduire cette sphère à la taille d'une balle de ping-pong. Et elle prend encore de la puissance. Et elle est encore plus protectrice pour vous. Et tout peut se déchaîner autour. Rien n'atteindra cette sphère, ni vous à l'intérieur. Et vous pouvez encore réduire la taille de cette sphère, toujours transparente, de plus en plus forte, à la taille d'une bille. Vous êtes à l'intérieur et rien ne peut vous atteindre. Rien ne peut vous atteindre. Dans cette bille, vous êtes protégé. Et vous pouvez ramener tranquillement cette bille avec vos deux mains à l'intérieur de votre cœur, de votre chakra du cœur. Et vous l'intégrez à l'intérieur de vous. Vous êtes dans cette bille qui est en vous. Vous êtes totalement protégé. Vous pouvez revenir dans cet endroit de sérénité quand vous le souhaitez. Vous le portez dans votre cœur. Il est là, quoi qu'il arrive dehors. Si vous en avez besoin, il suffira juste de toucher votre cœur ou votre chakra du cœur. Il sera là. Prenez conscience de cette protection. Prenez conscience de cette puissance que vous avez. Prenez conscience du fait que tout peut couler autour de vous. Vous avez cette force et cette puissance à l'intérieur de vous. Vous êtes cette force et cette puissance. Et si tout est juste, vous pouvez prendre trois grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre. Posez vos mains devant vos yeux. Ouvrir vos yeux derrière les mains. Et descendre tranquillement. Et descendre tranquillement vos mains devant vous. Voilà, j'espère que tu es plus apaisé, que cette méditation t'aura fait du bien. Si tu souhaites méditer avec nous, tu peux le faire. Je propose régulièrement des méditations, soit le jeudi soir, soit le dimanche soir. Elles sont en accès libre. Il faut simplement s'inscrire sur le site web. Je te mets encore une fois le lien juste en dessous. Il n'y a jamais de replay. Le replay d'aujourd'hui est une exception. Voilà. Si tu as envie et si tout ça t'a plu, je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne et puis à activer la petite cloche, ça te permettra d'avoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Et j'ai plein d'idées en tête. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.